On retrouve Meï Chidiac, ministre d'État libanaise au développement administratif. Bonjour et merci d'être avec nous. Le Liban a enfin un gouvernement avec de très nombreux très ministres. C'est un soulagement oui, oui. pour vous? Oui, bien sûr. On a attendu euh, plus de huit mois pour voir euh, la naissance euh, de, et la formation de ce gouvernement. Euh, finalement, euh, même jusqu'à la dernière minute, euh, on était tous euh, aux aguets. On ne savait pas à quoi s'attendre parce que ça pouvait sauter en l'air à la dernière minute, comme ça s'était déjà passé euh, deux fois euh, les mois passés. Alors euh, maintenant, nous pouvons nous considérer heureux d'avoir euh, vu enfin la formation de ce gouvernement avec 30 ministres, dont 80. Alors c'est un gouvernement d'union nationale, c'est un soulagement, vous l'avez dit, mais sûrement aussi une incertitude pour l'avenir. Euh, dans quel sens euh, une incertitude euh, au Liban euh, il, il n'y a rien de sûr finalement c'est-à-dire comme ça se passe partout dans le monde pas seulement chez nous mais chez nous la situation est un plus, peu plus envenimée que dans d'autres euh, parce que euh, il y a beaucoup de points de dissidence entre les différentes composantes de ce gouvernement Et finalement euh, peut-être euh, nous ne sommes pas du tout d'accord euh, sur euh, la politique euh, régionale les considérations quant au régime de Bachar el-Assad, euh, quant aux, euh, aux armes du Hezbollah. Mais en contrepartie, je crois que nous sommes tous d'accord pour euh, aider ce pays à avoir une situation économique qui soit de loin meilleure que celle que nous vivons actuellement. Et puis le ministère dont je suis responsable, qui est le ministère d'État au développement administratif, il parle. Euh, particulièrement de lutter contre la corruption, de la décentralisation, euh, du e-government, le gouvernement électronique, euh, du recrutement dans l'administration publique euh, et euh, d'accéder à l'information, la gestion des ordures euh, solides. Nous savons très bien le problème euh, du Liban euh, à ce plan-là. Alors euh, nous espérons euh, que ce soit moi ou que ce soit le parti auquel j'appartiens, dont je fais partie, qui est les Libanaise ou les euh, autres partis comme le mouvement du futur euh, euh, qui a à sa tête euh, le premier ministre euh, Hadidi ou bien euh, d'autres partis politiques représentés au sein du gouvernement pour œuvrer dans le bon sens pour euh, sauver la situation euh, dans le pays. Et euh, j'espère qu'on va plutôt se concentrer sur euh, les dossiers euh, sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord et mettre pour les les moments, les sujets euh, de confrontation, parce qu'on a toujours le temps de faire la guerre, mais il faut bien œuvrer pour le moment pour le bien des Libanais. Alors, il y a quatre femmes dans ce nouveau euh, gouvernement, c'est déjà un progrès oui, bien sûr, parce que euh, finalement, euh, c'est la première fois que nous avons quatre femmes. Dans le temps, nous avions, euh, une de ces fois, nous avions deux femmes, une autre dans le euh, gouvernement précédent, nous avions une seule femme, avant aucune. Et je peux vous assurer, pendant plusieurs gouvernements, nous n'avions aucune femme. Alors maintenant, 4 de 30, ce n'est pas beaucoup, mais finalement, c'est mieux, bien mieux qu'avant. Et les 4 sont, à mon avis personnel, et puis de l'avis de tout le monde au Liban, très efficaces. Elles sont performantes dans leur domaine, et elles sont toutes prêtes à prouver qu'elles sont capables de beaucoup plus que de beaucoup d'hommes. Madame la ministre, vous avez été victime d'un attentat. À la voiture piégée en septembre 2005 à Beyrouth. Est-ce que vous savez qui étaient les commanditaires et est-ce que vous vous sentez aujourd'hui toujours menacée euh, Menacée, oui, mais euh, finalement, je ne fais pas cas de ça parce que je suis habituée à m'exprimer euh, oh, euh, d'une voix forte et claire, euh, euh, de dire. Euh, et fort ce que je pense. Euh, je crois en la justice, peut-être pas locale, mais internationale. Il y a le euh, tribunal spécial pour le Liban à La et euh, en principe, il y a euh, plusieurs personnes qui ont été inculpées qui font partie du Hezbollah. Alors, euh, qui a commandité, qui a exécuté dans l'affaire du premier ministre Rafiq Hariri? Euh, ça va être annoncé de sitôt euh, par ce tribunal et puis il y a les autres cas qui sont liés à l'affaire euh, de Rafi à Hadidi dont en principe je devrais euh, faire partie parce que la décision la résolution des Nations Unies euh, couvre euh, depuis euh, octobre 2004 jusqu'au 12 12 2005 alors que euh, l'attentat qui m'a visé a eu lieu le euh, 25 septembre 2005 on a mis des explosifs sous le siège de ma voiture. J'ai perdu deux membres. Euh... Un bras et euh, la jambe gauche. Euh, je bouge euh, grâce à des prothèses que j'ai fait, euh, fait faire en France. Euh, la vie n'a pas du tout été facile. J'ai subi 40 euh, opérations. J'étais présentatrice du journal télévisé et animatrice d'un talk show politique à la télévision. Ils ont voulu me faire taire. Ils vous ont voulu me brûler vive, m'éliminer. Mais finalement, euh, la volonté de Dieu euh, avait décidé que. Euh, j'allais rester en vie. Finalement, je me suis battue, j'ai lutté et puis j'ai continué mon travail et maintenant, je suis à la tête d'un ministère. Alors, finalement, ma volonté peut-être a été beaucoup plus forte que la volonté des assassins et puis rappelons aussi qu'il y a eu l'attentat contre samir kassir un grand journaliste et écrivain également au, au liban. d'un mot est-ce que le liban pourra un eh jour oui. penser... est-ce que le liban pourra un jour exact penser ses blessures? ça prendra du temps. Ça va prendre du temps. Euh, penser ces blessures, euh, il faut vraiment euh, passer par une étape euh, transitoire où tout le monde rec reconnaîtra euh, les, euh, les péchés, si vous voulez, euh, commis euh, aux autres. Mais je crois qu'il est encore trop tôt pour en parler parce que, par exemple, jusqu'à maintenant, même maintenant, le Hezbollah se considère vainqueur. Il a participé à la guerre en Syrie. Il euh, veut imposer ses propres lois, même sur la. Scène locale. Euh, et puis euh, Bachar el-Assad fait de tout pour revenir sur la scène libanaise. Euh, peut-être il rêve de euh, euh, revenir en force euh, et contrôler la situation comme il l'avait fait entre 1990 et 2005. J'espère qu'il ne pourra plus jamais le faire. Alors euh, la réconciliation, au vrai sens du mot, prendra un peu de temps, euh, plus qu'il ne le faut peut-être, mais il faut commencer quelque part. Merci beaucoup Meshidiac, d'avoir été en direct avec nous sur France 24 depuis le Liban. Vous. Et je rappelle que vous êtes la ministre d'État au développement administratif dans ce nouveau gouvernement libanais. Merci beaucoup pour votre témoignage.